Et voilà qui est dit. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs Mila Chanchou, Donat Jacep et Colin Smonchon qui écrit pour avec Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur qui a son tour, un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatieu qui est également produit parce qu'on appelle même le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est marraine de la show 20 Plus. Madame Clé Chatieu. Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame. Ah, on lui dit bonsoir à chaque fois. On reçoit Loco. Oh, très content de te revoir, Loco. Moi, je l'appelle le Michael Jackson africain. Ah, ben, j'ai ça. C'est nos petits noms qu'on se donne entre camarades et amis et tout ça qu'on joue au billard. Alors, Loco, tout le monde le sait, tu es un brillant auteur, un auteur, un parolier exceptionnel de la trame de Dina Bell, Bendeka et Boilotin. Tu es un compositeur excellent, musicien, pianiste, guitariste, on peut rajouter San Fantoma, André Maritala. Tu es aussi un interprète, un vocaliste, comme il y en a très peu. Et bon, à rajouter à ça, auteur, compositeur, interprète, tu es technicien studio, beatmaker, pianiste, guitariste, c'est ça, je l'ai dit. Tu es un peu chorégraphe, un peu danseur, c'est-à-dire le parfait entertainer. Tu es un peu scénariste, un peu réalisateur, pour ceux qui ont vu Le mariage de Margot. Et tu es complètement acteur, pour ceux qui ont vu Childress of the God. Il y en a qui ont vu ça ici? Non, pas encore. Mais tu es également un très, très bon motivateur. Bref, Loco, tu es un créatif qui nous donne de l'amour, de la joie et qui nous fait rêver. Et le ciel sait que tu aurais pu finir comme un ennuyeux ingénieur sorti de Polytech. Comment tu peux dire ça? On peut le dire, non? C'est pas sûr. Ouais. Peut-être que s'il avait continué aussi, il serait un grand ingénieur, on ne sait pas. Oui, mais ennuyeux. Parce qu'un ingénieur, ce n'est pas un entertainer. Non. Donc, merci beaucoup aux réseaux sociaux qui ont permis à ce talent d'exploser et de se faire connaître en interprétant ses artistes favoris de l'époque. Loco a explosé donc sur Internet et puis il y a eu des signatures naturellement avec Big Dream, avec Universal Music Africa. Il faut retenir surtout d'un artiste comme celui-là, au-delà de tous les tubes qu'il a créés, parce qu'on ne fait pas toujours attention à la locomotivation, ces séquences vidéo par lesquelles il racontait des moments importants dans la vie de sa vie, des moments de trouble, des moments de, pendant lesquels il était indécis et surtout les moments pendant lesquels il est resté attaché à ses valeurs, celles du travail. Aujourd'hui, c'est l'un des artistes les plus capés. Quand on parle de Canal d'Or, en 2017, il est révélation. Cette même année, il a le meilleur vidéogramme, il est meilleur artiste de musique urbaine. Il va enchaîner parce que là, c'est le tenant du titre de la catégorie meilleur artiste masculin. Il a quand même vu son trophée, il a quand même tenu le trophée des mains de la première dame. Ah oui, Loco. Et Loco aussi, c'est une envolée vers l'international. Le featuring avec Bram Cito, le son indécis. On attend juste le nouvel album. Loco, c'est un plaisir une nouvelle fois de te recevoir. Bienvenue. On saura pourquoi je chante pas.